Salut à tous, aujourd'hui revue liquide, exactement, nous retournons au Canada, encore chez PGVG Labs, et notre gamme qu'ils nous ont fait, qui est pour certains pas forcément si récente que ça, qui a déjà quelques petits mois, mais qui pour moi était relativement assez à présenter. On n'en a pas beaucoup entendu parler et je trouve ça bien dommage, on va parler des 3 strudels. Alors, non, vous attendez pas à des strudels à la façon allemande et tout ça. On va aller voir tout de suite le premier. Strawberry rhubarb. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que c'est une fraise à la rhubarbe. Rhubarbe, on n'a pas entendu énormément en liquide. Donc, ça doit être peut-être un peu particulier, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Très bon, très bon, très très bon. On est entre la limite du fruité gourmand. On sent une fraise, une première fraise, le fruit bien sucré. Et ensuite, on arrive sur une rhubarbe acide. Acide sucré en même temps. Celui-là, j'apprécie énormément. C'est... Alors, comment dire, quand je dis que j'apprécie un liquide, j'ai toujours beaucoup de mal à le décrire pour une simple et bonne raison. C'est que je l'apprécie tellement, au niveau des papilles et tout ça, que c'est très compliqué de décrire une sensation. Voilà. J'ai mis un petit booster de chez Papa Beer. Toujours en 18 mg de nicotine. Faut savoir qu'ils sont présentés en 50 ml, on a largement la place de rajouter un booster, puisque c'est des flacons de 60 ml, ça c'est très bien pensé. Pareil aussi, ils sont boostés en arôme, et ça sent tout de suite. C'est-à-dire qu'une fois leur booster rajouté, on ne va pas chercher le liquide. Voilà, là on a un vrai boosté. Allez, on part sur le prochain liquide. Donc comme vous avez pu voir, nous partons sur le Blue Berry, exactement, c'est une combinée à la légèreté et la croustillante pâte filo avec le confort et la chaleur d'un divin dessert au bleuet. Le bleuet, comme je disais, exactement, c'est de la myrtille. Le bleuet pour le Canada, exactement, c'est la myrtille et non la fleur par chez nous. Donc, on va se goûter ça un petit peu. Alors, ne partez pas tout de suite sur une myrtille franche. On va avoir un côté un peu, je dirais pas biscuité. Vous voyez un peu les feuilles de briques qu'on peut se servir, un peu croustillantes et tout ça. On va voir la première note de ça. Ensuite, on va partir sur une myrtille, une myrtille légèrement cuite. Et en toute fin d'expiration, on va avoir comme si on avait un jus de myrtille. Alors celui-ci, c'est marrant parce qu'il travaille un petit peu à force de vaper. J'apprécie beaucoup. C'est dans le type de liquide que j'aime. On est entre la limite du fruité et du gourmand. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment un style de liquide que j'apprécie particulièrement. Allez, on va pas faire une vidéo de 10 minutes sur 3 liquides. On part sur le prochain liquide. Donc le prochain liquide, comme vous avez pu voir, ça sera le nectarine. Exactement, une saveur de nectarine fraîche entre une élégante lie de pâte croustillante. Pâte croustillante, ça me fait penser un peu de la pâte feuilletée. Est-ce que ça serait pas une nectarine en feuilleté? On va voir ça. Alors, je vais pas sentir le côté feuilleté. Je vais vraiment partir sur la nectarine, le fruit. J'irais plutôt qu'il y ait une crème avec. Ouais, une crème pas pâtissière. Je partirais sur une crème, style crème fraîche, un peu yaourt. Ouais, limite.
On va avoir en première note la nectarine, ça c'est sûr et certain. Alors, moi je trouve légèrement sucré, un petit peu trop sucré. Je suis un peu moins fan. Voilà, les deux premiers, je les ai trouvés excellents, très bien réussis. Celui-ci, je suis légèrement moins fan. C'est un peu moins mon type de liquide. Voilà, c'est un petit peu moins. Un petit peu moins mon truc. Qu'est-ce que je pense de la gamme? Pour moi, deux liquides très bien réussis. Le blueberry et le strawberry rhubarbe, pour moi, c'est deux belles petites découvertes. Entre autres, le blueberry, pourquoi? Puisque on ne part pas sur un muffin. Voilà. On ne part pas là-dessus. On part sur autre chose et ça fait du bien de voir autre chose en myrtille. Donc voilà. Et puis comme je disais, en 50-50, on fait une très belle vapeur. Dans les trois, un booster en 18 mg de Papa Beer, sans problème. On n'a pas un hit trop fort. Ça pourra faire de très bons LD pour certains. Moi d'ailleurs, le strawberry rhubarbe, je vais me le faire demain. Et puis voilà, ouais, je les conseille. Voilà, c'est des petits liquides que je conseille. Pareil, je remercie FullVap, vous pourrez aller retrouver chez eux. Et pareil, pour les shops qui cherchent, FullVap Distribution. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je mettrai le lien en bas pour trouver assez facilement. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!